On est très content de le recevoir cette semaine à Parcours d'été parce que notre invité d'aujourd'hui est extrêmement occupé. En fait, il est impliqué dans notre communauté depuis plus de 20 ans. Il a déjà débuté, ça fait à peu près une vingtaine d'années, comme administrateur et président du conseil d'administration du Carrefour Jeunesse Emploi d'Argenteuil. Et depuis, il est administrateur à la Fondation de l'Hôpital, à la Maison de la Famille et en tant que trésorier pour la TVC d'Argenteuil. Il a sa compagnie depuis 25 ans. Il va fêter son 50 ans l'année prochaine, 30 ans avec sa conjointe, Véronique, donc son copropriétaire de Dédé Création. Vous l'aurez devenu, notre invité d'aujourd'hui est Jimmy Desabrais. Et bienvenue à Parcours d'été! Hey, merci Jimmy d'être là. Merci Eric, l'invitation. Bien, merci. Puis, 9e saison déjà. Wow. Et on garde toujours les meilleurs plus tard. Tu sais, on rode notre show, là. Puis là, on se voit la crème. Fait que quand est-ce que tu passes? Oui, j'ai passé à 2 reprises. Oh! Je savais pas assez bon la première fois. Je suis passé plus tard. Jimmy, comme en préambule, j'ai parlé de tes implications dans la communauté. C'est quelque chose qui est important pour toi. Je le vois. Tu es là tout le temps. Mais quelque chose que j'ai pas parlé, que je voulais garder, qu'on chasse un petit peu. Tu es également avec moi, avec Robert, avec Hugo, ouais, comme sur le comité de la soirée Lip Sync. Oui, ça, c'est une belle folie, ça. Puis, tu m'excuseras si je me trompe, mais est-ce que ça t'a donné un élan, ça, pour par la suite faire du théâtre ou quoi que ce soit? Parce qu'au début, avec la première chanson que tu avais faite, c'était de la chanson d'Lisa Leblanc, qu'on va pas te dire le nom parce que c'est un petit peu ça réveille mal le matin. Mais ça a commencé, ça a sorti quoi à toi de faire ces numéros-là? Ça a fait un gros impact dans ma vie parce que ça m'a fait découvrir l'amour de la scène. Okay. Pour vrai, je m'en souviendrai toute ma vie. La première fois, quand tu vas sur scène, justement, j'arrivais pour faire le numéro de Lisa Leblanc, je voulais mourir tellement j'étais stressé. Mais j'ai eu un rush d'adrénaline, un plaisir. Puis, tu sais, pour vrai, le Théâtre des petits bonheurs, c'est une salle magique pour ça. Ouais. C'est pas grand. Fait que t'as l'interaction de la foule. Fait que de sentir toute cette dose d'amour-là, ça m'a donné, ouais, ça m'a donné un kick pour continuer. Puis suite au lip-sync, le théâtre est venu le théâtre est venu grâce à Lise Bourgeau. Oui. Après un show de lip-sync, elle me dit « Hey, ça te tenterait-tu de participer à une pièce de théâtre? » Je dis « Bah, pourquoi pas? » Ouais. Fait que c'était c'était une pièce avec plein de petites piécettes de 10-15 minutes avec Ami Maude. En tout cas, ça et tout, ça a été magique. Suite à ça, justement, le théâtre est venu. Bon, encore là, j'ai encore des problèmes. Je parle vite et je marche mes mots. Bien, on est pareil. Fait que j'ai pris après ça des cours de théâtre pour pouvoir essayer d'améliorer ma diction. Oui. Fait qu'en théâtre, on m'a dit, va faire de l'impro, ça va t'aider. Parce que la crainte, c'est que si tu oublies ton texte ou si ton partner oublie ton texte, là, la frousse pointe. Oui. Fait que si le tu syndrome, fais de l'impro, pas de la page blanche, mais le syndrome du blanc. Là. Ouais. Oui. Fait que si tu fais un peu d'impro, t'enlèves ce stress-là. Parce que tu dis, on va se débrouiller, peu importe. Oui. Fait que encore là, la gang de l'impro est arrivée, on a eu du fun. Puis l'été passé, un autre défi supplémentaire, ça faisait longtemps que j'avais plus de stress d'être sur scène. Ouais. Puis là, Joanne Desrosiers m'a approché pour faire partie des Aristochats. Ouais. Donc là, je devais faire un noix en état d'ébriété, puis chanter une toune française que je connaissais pas. Fait que ça, pour vrai, avant de monter sur scène, j'avais papillon. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Puis encore là, à chaque fois que je me sens embarqué dans des projets comme ça, le lip-sync, théâtre et autres, c'est je découvre de nouvelles amitiés, je découvre du monde formidable, du monde généreux qui sont pas là juste pour le spotlight, mais pour faire briller le show, faire briller tout le monde. Ouais. Fait que c'est vraiment une belle communauté, c'est du gros plaisir, puis c'est la place que j'ai pour mettre ma switch off dans mon cerveau. C'est ça, une petite pause, parce que, écoute, je ne sais pas combien d'heures tu fais par semaine avec ton entreprise. Beaucoup. Mais c'est ça. Lève-tôt, couche-tard, puis ça. Puis, tu sais, je me rappelle au début, toi et Véro, vous travaillez de chez vous. Les premières années de Chantier Nouveau Cinéma, je me rappelle, on a cherché les programmes, et l'adresse ou presque, chez vous. Puis, le fait d'avoir changé au moins une entreprise que tu te lèves pas, puis tu passes dans le local à côté, c'est différent aussi. Mais il demeure quand même que l'entreprise, dans le milieu que vous offrez, c'est le tout finalement. Ouais. Vous avez une grosse équipe. Combien d'employés? Vous êtes rendu? Une dizaine environ. Une dizaine, fait que c'est pas tant que ça, mais ça reste quand même.
Oui. Quand même. Puis chaque employé dire est au poste, puis ouais. Vous avez des dates de tombée, mais c'est un mot anglophone, mais des dates de tombée, des délais à respecter. Donc, c'est bien justement de pouvoir lâcher ton fou. Ouais. Puis de pouvoir puis t'impliquer également, parce qu'on s'entend dire être administrateur, c'est du bénévolat, du bénévolat, du bénévolat. Tu n'es pas juste sur le CA, mais quand il y a des levées de fonds, par exemple, ouais. Ou des événements quelconques, comme le souper de l'hôpital qu'il y a eu, comme dernièrement aussi un événement pour la maison de la famille, beau projet qui s'en va avec la maison qui était ouais. Acheté sur la rue Grasse. Donc, tu sais, ça demande du temps, puis des bénévoles, bien, ça ne court plus les rues. Souvent, on voit dans des événements que, bien, ah, on est là, on se revoit le lendemain, on se revoit à telle place, on se revoit, tu sais. C'est malheureusement souvent le même monde qui ouais. S'implique. Puis, tu sais, je fais une invitation à tous, impliquez-vous. Oui. C'est bon pour la communauté. C'est puis, enrichissant. C'est enrichissant, puis pour soi aussi, parce que tu vas chercher là quelque chose que tu ne peux pas aller chercher ailleurs. Donc, quand tu fais partie d'un plus gros projet, tu t'aperçois que tu améliores ta communauté, il n'y a rien comme ce plaisir-là de dire « Hey, j'ai peut-être changé la vie d'une personne. Oui, » ce n'est rien. Qu'une. Ouais. Ouais. Moi, j'ai une phrase que j'aime dire des fois, je ne sais pas c'est qui l'a écrit, là, mais ça fait du bien de faire du bien. Ouais, je pense que c'est Serge Fiori. Allô, Serge? Ben oui, c'est ça. Fait que, en tout cas, tu fais bien du bien à bien du monde. Puis, mais là, par contre, on va aller faire du bien à une petite balle pour l'envoyer bien loin. Faut-tu vraiment qu'elle aille loin? Parce que je ne suis pas un grand golfeur, hein? Écoute, à parcours d'été, tout est possible. On a le droit à beaucoup de mulligan, j'espère. On va demander à M. Mulligan. OK. Quand tes yeux sont à la balle, elle va partir, je te le dis. Ça va faire un 150 verges facile. Bon, et voilà! Hey! Ça beau, ça, là! Après, vite! C'est correct, c'est ouvert de ce côté-là. C'est quoi, ça? C'est quel fairway qu'on jouait? C'est là, c'est en avant. Hein? Non, il ouvre là-bas. Hey! Un peu à gauche. Presque comme moi. OK. C'est bon! Donc là, Jimmy, on retourne dans le passé, oui. Ton école primaire. Comment t'étais, toi, à l'école? T'étais une personne timide, qui allait voir tous les gens? Comment t'étais? Ah non, oui, non, c'est vrai, oui, c'est ça. Oui, j'étais timide. Ah ouais? Vraiment timide, gêné, introverti, pour vrai. Ben, à l'école primaire, un peu moins. OK. Pour l'école primaire, oui, j'étais un peu plus extroverti, un peu moins timide. Oui. Mais entre la sixième année et secondaire 1, mes parents ont divorcé. Puis, je suis rentré en secondaire 1 avec beaucoup de colère. Puis, okay. Tu sais, fait que là, je me suis renfermé plus qu'autre chose. Fait que mon secondaire n'a pas été le fun. Tu sais, okay. Pour vrai, là, ça n'a pas été. C'est ça. Puis, en école primaire, c'est à quelle école tu étais? À Saint-Philippe. Saint-Philippe, OK. Oui, belle petite école. Oui, oui, absolument. Puis, après ça, c'est bon secondaire à la course, j'imagine. Exact. Bon secondaire à la course, polyvalente. Mais c'est quand même, tu sais, on regarde dans ces années-là, c'était un gros défi. T'arrivais, t'étais avec tes amis, souvent tes amis même d'avant le primaire. Et là, tu te retrouves avec comme, ça me fait penser un peu à la chanson de Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Ouais. T'arrives, t'en es des grands. Mais la course, c'est un petit peu moins pire que maintenant, ouais. Polyvalente. De 1 à 5, t'arrives, t'es tout petit, des grands. Ça peut être intimidant aussi, puis tu sais pas comment trop vivre ça. Puis en plus, des fois, des situations familiales. Fait que, ouais, je peux comprendre. Puis est-ce que t'étais une personne qui réussissait bien à l'école, d'un point de vue note académique? C'était correct. Ouais. J'étais un moyen haut, mettons. J'étais pas, c'était pas un bolé. Non, mais tu sais, ça allait bien. Les maths, ça allait bien. Ouais. Les sciences, ça allait bien. Le français, c'était exécrable. Okay. C'était vraiment français, anglais, les langues, ça n'a jamais été une grande force. Ce qui fait que, qu'au cégep, je suis arrivé avec un cours de rattrapage en français. Okay. Je fasse une session de plus pour reprendre. Moi, c'est les maths que j'ai fait. Ah, ouais? J'avais coulé les maths de serre avec plusieurs roseaux. Oui, puis je revenais de l'école de privée. Mm-hmm. Mais tout ce qui était aussi le contraire, tout ce que c'est physique. Cartésien. OK. J'ai la misère. Puis par contre, à la suite, par contre, tu arrives au cégep. Là, ça va bien parce que tu dis, OK, là c'est sérieux. Oui. Fait que après ça, mais tu étudiais en quoi au cégep? Au cégep, je savais pas trop quoi faire, honnêtement. Le problème de ma vie, c'est que tout m'intéresse, mais rien passionnément. Oui, je comprends. Ce qui fait que j'ai été dans un général, j'ai fait un deck en sciences pures pour commencer. Puis je me suis dit, ça va m'ouvrir plein de choses à l'université. Juste la dernière session
de mon bac en sciences pures, mon père est décédé. OK. Fait que là, j'ai dit, bon, on va oublier l'université, c'est trop coûteux, puis il faut que je travaille en même temps. Ouais. Donc, après ça, je regardais les cours qui pouvaient être crédités. Ouais, facile, une technique, tu sais. Fait que j'ai fait une technique d'élevatoire médical. My God, OK. Fait que j'ai fait mon deck là. Là, j'ai quand même encore performé correct. Ouais. J'étais pas excellent, mais j'étais bon. Mais, j'allais dire que quand même pas pire, j'ai été le premier de ma promotion à être engagé à Cité de la Santé. Quand même. Ah ouais, fait Cité que, de la ouais. Santé. J'ai travaillé comme 2 ans à Cité de la Santé. OK. Mais là, t'habitais à Laval? Non, on voyageait, c'est ça. Ah, ouais? Ouais, ouais. Moi, pour vrai, une des belles choses qui m'est arrivée dans ma vie, au début, justement, de mon deck en laboratoire médical, ouais. J'ai rencontré Véronique. OK. Véronique, à 20 ans, c'était ma première blonde. Fait que, elle a eu le plaisir de me déflorer. Mais Véronique, native du coin aussi? Oui, ben, okay. Oui puis non. OK. Dans le sens, Véronique, elle est venue au monde, je pense, comme à Fermont, quelque chose genre. Ah, ouais, au mur. Non, pas à Fermont, excuse, à Shefferville. Shefferville. Elle est venue au monde à Shefferville. OK, ben oui, ben oui. Puis, mais sa famille venait des cantons de l'Est, mais son père avait été engagé dans le temps à la nouvelle usine SGL dans les années 80. Ah, ben oui. Il était cadre, là. OK. Fait que c'est ça. Véronique, elle est déménagée dans la région au primaire. Okay. Fait que elle a fait un deck en or donc au Cégep Saint-Jérôme. Okay. Fait que c'est là qu'on s'est rencontrés. Puis ça a changé ma vie parce que finalement, on s'est rencontrés genre septembre-octobre. Au mois de décembre, j'ai été au party de Noël chez ses parents. Oui. Puis je suis jamais reparti. La magie de Noël. Hey, écoute, c'était merveilleux. Pour vrai, ça a un beau cadeau de Noël. Oui, ça a changé ma vie parce que ses parents ultra généreux, je pense qu'ils ont eu pitié du jeune orphelin que j'étais, je sais pas. Mais en tout cas, ils m'ont hébergé. Fait que j'ai été logé, nourri là, gratuitement pendant tout mon deuxième deck. Fait que ça m'a donné un gros coup de main. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'à la fin de mon deck, c'était de la santé. Je voyageais. Donc, voyager à Laval, dans le temps, il y avait un peu moins de trafic qu'aujourd'hui. Effectivement. Ça se faisait bien. Mais j'aimais pas ça. Tu sais, j'étais pas non, bien je là. Comprends. Puis, même au bout de 3 mois, j'étais vice-président du syndicat Jean Grief. Ah ouais? J'avais pas de poste. OK. Mais c'était particulier comme. Okay. Fait que c'est ça. Ah ouais. Puis là, mettons, là, on est dans le temps. Non, mais c'est correct, mais c'est parce que j'en apprends. On se connaît depuis quand même longtemps, puis j'en apprends encore. Mais du primaire. Primaire, oui, plus extraverti, secondaire, un peu plus introverti. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de toutes tes années à Saint-Philippe? Parce que, tu vois, on se crée des amis qu'on a pour la vie. Est-ce que dire, peut-être que tu étais moins passionné du français, etc., les langues et toutes les sciences physiques, ça t'a amené à ton travail. Mais est-ce que, tu sais, parce qu'on garde toujours soit des souvenirs impérissables, que on a des amis qu'on a pour la vie. Est-ce que tu as encore les amis, toi, du primaire? Des fois, on dit, on a-tu encore les amis du primaire? Ouais. Non, j'ai pas d'amis du primaire. J'ai gardé une idée du secondaire non plus, honnêtement. Ouais. On s'est tous perdus de vue. Comment c'est ça? C'est des champs d'intérêt, tu sais, peut-être différents. Oui, c'est vrai. Mais non, j'ai pas gardé rien de ça, non. Puis ta dernière journée d'école, tu sais, au primaire, là, j'imagine que tu avais hâte à l'été. Puis... Ouais. Puis parce que souvent, tu vois, on peut être nostalgique un peu, mais c'était comme, ça peut-tu venir, là, que... fasse mon été. Ouais, non, mais l'été, c'est ça, c'est le bonheur, on va dire. Il n'y a rien dans la vie comme le sentiment de ta dernière journée d'école. Ouais. Tu sais, il y a quelque chose, il y a une libération, c'est le party, la folie. Fait que non, c'était vraiment, vraiment le fun. Mais les étés étaient quand même relativement tranquilles. T'sais, on vivait en campagne, un peu loin de tout. Ben, Saint-Philippe, c'est quand même. Ça a été. Mais j'étais à Maryland. À Maryland, c'est ça. Ben, quand même, tu as la 148, tu n'as pas de 50 à ce moment-là. Donc, oui, c'est assez tranquille. Des fois, tu as des voisins assez dispersés aussi. Exact. Donc, tu fais des activités ici. Là. Ben, ça, c'est la prochaine question. Après avoir frappé ta balle, puis regarde, là, ta balle est quand même là. Tu as fait une bonne distance, tu l'as bien cogné. Oui, après 8 fois. Non, ben, bon, on ne les compte pas, ça. Beau, ça! Super beau! Tu vas être en arrière, tu vas être à droite du gars. Parfait! C'est vert! Super beau! Un très beau contact, ça, là. Oh, c'est nice! C'est pas mal ça que je voulais faire. Belle shot!
Bon, on est rendu l'été, dernière journée d'école. Après ça, tes souvenirs de disons, au primaire, là, peut-être même secondaire. Primaire, secondaire. Qu'est-ce que tu faisais durant les étés? Ouais, primaire, je veux juste t'amuser. Oui, pour vrai, là, j'ai toujours vécu sur une petite fermette, fait qu'on avait des motos, puis des bébelles. Fait que ça, avait un peu. Fait que ça, c'était le fun. Au secondaire, comme je dis, mon secondaire était un peu particulier. Fait que, tu sais, j'étais un peu plus renfermé. Fait que je faisais pas grand-chose. J'avais pas d'amis autour de ma maison. Ouais. Mais j'ai commencé à travailler tôt parce que j'avais goût de travailler. Okay. Fait que, comme à 12-13 ans, ma première job d'été, c'était au marché aux puces. J'étais comme genre de boss boy, là, s'assurer que le restaurant tout était propre. Puis, le restaurant du marché aux puces? Je m'occupais qu'il manque pas de reliches, de moutarde, OK. Puis après ça, c'est venu. L'entrepreneuriat est venu vite dans ma vie. Okay. Mon père était en affaires, il faisait du transport d'animaux. Puis transport d'animaux, comme quoi, par exemple? Non, du fermier au marché aux puces ou à l'abattoir, ou des choses comme ça. Ou quand elle est dans des foires. OK. Fait que j'avais un poney, ça commence comme ça, puis j'avais un peu d'argent de ramasser, puis on dépensait pas. Il n'y a rien. Fait que puis mon père, il savait tout faire dans le pour vrai, là, c'était magique. Là, il faisait des ministéries, de la soudure, il faisait tout. Fait que. J'ai créé ma première entreprise qui était des tours de poney. Ah oui? Pas au marché aux puces? Le même principe, mais on faisait l'expo La Chute, on a fait ça, j'ai fait ça plusieurs étés. De l'âge de près de 15 ans jusqu'à 18. Là. OK. J'allais à chaque année, écoute, l'exposition agricole. Je ne sais pas si tu te rappelles, l'expo agricole à La Chute, dans le temps, là, en plus des années 70, c'était pas à plein milieu de juillet, c'était la troisième semaine de juin, c'est en même temps que les tests à l'école. Oui. Fait que souvent, on était moins performant à l'école, disons. Mais fait que l'exposition agricole, j'y allais à chaque année. Fait que j'aurais probablement pu te voir là. Probablement, oui. Puis, tu sais, entre autres, on a fait une année la fête du Canada à Moronite avec les tours de poney. Puis c'est là que j'ai eu la chance de rencontrer Yvon Deschamps. Parce qu'il restait dans ce coin-là. Oui. Puis on a fait tour de poney avec ses filles. Puis, très gentil. Très sympathique. Content des jokes, non? Je m'en souviens pas. Là, mais tu sais, Fait que c'était ça, mes premiers jobs d'été, là, tu sais. Puis, Puis, tu me rappelles, il y avait plus qu'un poney, quoi. On avait trois. Quatre, c'est ça? Dans un carrousel, que mon père a bâti complètement. Ah, je savais vraiment pas. Ouais. Puis, ces poneys-là, tu les avais eus longtemps? Bien, je les ai eus, comme je te dis, de. Ça a commencé par 14-15 ans jusqu'à. Bien, quand mon père est mort, là, okay, vous avez mon transport. Vous avez vendu les poneys, l'attraction, en fait. Oui, c'est ça. J'ai vendu ça parce que, en bout de ligne, je continuais à aller à l'école. Fait que je pouvais pas. C'est de l'entretien aussi, là. Oui, c'est ça. Faut que tu s'en occupes. Tu peux pas juste les nourrir. T'es flat. Il y a de l'amour à donner à ces petits animaux-là. Fait que c'était ça mes étés. Là. C'était pas mal ça, mais c'était relax. On n'avait pas de. Pas grand-chose. Non, en même temps, c'est parce que je trouve que c'est tellement faire du plaisir. Tu sais, c'est qui, t'es jeune, qui n'aime pas faire un tour de poney, de cheval? C'est un animal tellement. C'est colleux, c'est un gros bébé, là, un cheval. Là. Puis de pouvoir donner ce petit moment de bonheur-là à des enfants, c'est de la zoothérapie, ça n'a pas commencé hier. Là. Non. Fait que, donc, tu as collaboré au bonheur des jeunes. Oui, c'est ça. Tu n'avais pas vraiment des personnes âgées qui embarquaient là-dessus, là. Non, mais il est flatté, tu sais, pour vrai. Ah oui, ben oui, c'est vrai. Parce que c'est limité. À un moment donné, tu ne peux pas être plus de 200 livres là, pour poney. Ben, la majorité sont capables de prendre un adulte, mais tu sais. Oui, il va être dans la mesure du raisonnable, là. Ouais, non, c'est ça. Puis, donc, toi, en habitant à Maryland, c'était toujours de voyager comme à La Chute. Mais est-ce que tu as embarqué avec ton père souvent pour aller, mettons, pour les animaux, quoi que ce soit? Oui, non, c'est ça. L'été, je l'aidais. Tu l'aidais, souvent, quand on amenait les animaux au marché aux puces, bien, moi, ma job, c'était d'embarquer les veaux dans la remorque. Là, OK. À ma hauteur. Oui, fait que c'était ça, ma job, là, mais... Mais ça, c'est marché aux puces pour l'enquête, tu parles? Oui, dans le temps, il y avait vraiment j'étais là. Moi, mes cousins habitaient pas loin, coin aéroparc et aéroprincipal. Ouais. Puis, on aimait ça. Je me rappelle, ça, les gens, ils
tu sais, comme... Ça parlait super vite, là. Puis c'était impressionnant quand même, parce qu'il y avait des enclos, puis tout le kit à l'intérieur, puis les gens bidaient, puis c'était vraiment cool. Ah ouais, parce que tu avais produit des animaux qu'ils vendaient à chaque... Ben, régulièrement, je pense. C'était toutes les semaines, dans le temps. Oui. Oh my God. Je me rappelle qu'il y a beaucoup d'animaux au Saint-Exupéry que les gens pouvaient acheter. Mon pompère avait des pigeons, fait que je m'en rappelle des bons souvenirs. Bon, ben là, ça va être le dernier coup d'approche avant d'aller sur la mer. Et j'ai un bon pressentiment. Moi aussi. Wow. C'est bon. Parfait. C'est beau. C'est super beau. C'est super beau, ça. Ah. Alors, écoute, on garde ça de même. Quoi dire de plus? C'est la bonne! Elle devrait y aller. Roule. C'est beau, ça, là. C'est bon, oui. Eh oui, c'est bon. Bon. Voilà. Bingo! Bon. La même chose, prends pas fort. Un petit peu à droite. Réussi à peu près, là. Elle devrait descendre dedans. En plein ça. Facile, le golf, hein? Facile. Ça fait de rien. Un plaisir. Merci beaucoup, Eric. Ça fut mieux que je pensais. Ben, c'était moins pire que je pensais, mon golf. Non, le mieux, ça fut mieux. Ça fut mieux. Là, Jimmy, on a parlé au début de l'émission, dans qu'est-ce que tu t'impliques. Là, est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous dévoiler? On est en plein été en ce moment, à l'automne. Est-ce qu'il y a des événements ou c'est tout sous, pas à huis clos, mais des choses qu'on ne peut pas dire? Ou tu peux nous donner quelques informations sur des activités, autant par rapport à la maison de la famille, autant avec la fondation de l'hôpital, autant aussi avec la TVC, peut-être des nouvelles émissions, mais en tout cas, peu importe, je te laisse aller là-dessus. Là, tout va. Bien, écoute, au niveau de la fondation d'hôpital, il y a le golf qui a lieu cet automne, en septembre, qui va avoir lieu au Griffon cette année, Griffon des Sources, qui est un super beau golf. J'invite tout le monde à s'inscrire, étant content, et surtout à prendre des commandites. Fait que c'est le fun de jouer, mais on a encore plus besoin de commanditaires. Ouais. Ben oui, puis... C'est ça. Puis pour la maison de la famille, bien, ça a été annoncé récemment. On a fait l'acquisition d'une maison, puis qui doit être complètement rénovée parce que ça date de presque un siècle. Fait que il n'y a rien qui est aux normes pour les besoins commerciaux de l'usage qu'on va en faire. Donc, il y a une autre campagne de financement qui s'en vient cet automne. Donc, je me fie sur les gens d'Argenteuil pour être généreux. Vous l'êtes toujours. Ouais. Je suis convaincu que ça va être encore le cas. La TVC, bien, il y a toujours des nouvelles émissions. Sylvain, depuis qu'il a pris la barre de... qu'il a pris la direction générale de la TVC, ça l'a amené un gros plus. Tu sais, Sylvain, il excelle dans ce qu'il fait. Ben, tu sais, si quelqu'un qui connaît la boîte, c'est bien lui. C'est ça. Je pense que c'est le plus jeune, un des premiers bénévoles de l'endroit. Fait que, ben, exactement. Au début, là. Tu sais, il a amené des nouvelles émissions, dont La Cabine. Oui. J'espère que tu vas en faire partie la prochaine. Hey, écoute, j'ai peur. Ah non, ça vaut la peine. Pour vrai, là, ça vaut la peine. Sincèrement, là, quand j'ai vu ça, puis Sylvain, il pensait envoyer des publications là-dessus, je dis. Fiu. Non, mais c'est jamais méchant que Sylvain. Non, je sais. Mais t'es très gentil. Je trouve que ça fait un petit peu comme. Tu te lances dans le vide. Ouais. Tu n'as pas vraiment de filet, là. Ça, des fois, Eric, tu as créé la Ligue d'impro dans la région, tu fais de l'impro. Je me considère pas le meilleur improvisateur. Souvent, c'est que je me sens un petit peu comme déstabilisé, quoi que ce soit. Fait que c'est comme. Je vais regarder les autres aller, là. Puis après ça, on verra par la suite. Mais oui. Christian Rowe, t'appelles ta blonde, puis elle donne toutes les réponses. Tu sais, ça fait un job aussi. Oui, Christian, il va là-dedans. Ouais. Puis au niveau de l'entreprise, bien, comme tu l'as dit en entrée, l'année prochaine, on fête nos 25 ans. Ça fait 25 ans que je travaille beaucoup. Là, mon but, c'est essayer de ralentir un peu. Puis la vie. Gros défi, ça. Oui. Puis la vie a toujours amené. M'a toujours amené les personnes qu'il fallait pour. Au moment que j'en avais besoin. Ouais. Puis là. De quelques années, Jennifer Lacasse est arrivée dans ma vie professionnelle, professionnelle. Ben, amie ici aussi, parce que Jennifer... C'était une amie. C'est tellement sympathique. D'être une collègue de travail. Ouais. Puis, Jen, ce qui est magique, c'est que c'est moi en fille. Tu sais, on se ressemble beaucoup, fait que... Puis ironiquement, Véronique et Éric,
nos conjoints respectifs. Ils se ressemblent aussi beaucoup. Okay. Fait qu'on était chercher des, tu sais, des complémentaires. Des relations d'amitié, de couple, que vous avez du fun à avoir du temps. Ça paraît aussi. Je vois des photos passer des fois. Puis, tu sais, c'est pas faké. C'est pas forcé. C'est ça. Puis, fait qu'avec Jen, comme c'est quelqu'un qui me ressemble beaucoup, pour moi, c'est plus facile de déléguer avec confiance. Oui. C'est ça qui me permet. Déléguer, c'est quelque chose de très difficile. Mais surtout pour mon entreprise, c'est mon bébé. Je l'ai bâti, j'ai passé ma vie à la faire grandir. Je peux pas juste la lâcher lousse. Là, fait qu'avec Jen, ça va me permettre ça. Fait que c'est mon but, c'est peut-être d'apprendre à jouer au golf comme du monde. Fait que si t'es-tu ouvert à me donner des cours? Ben, ça fait plaisir. C'est dingue, mais c'est parce que t'as des bons contacts. Puis le golf, c'est un des sports divertissement. Les gens sont toujours comme ça, un sport. Oui, c'est un sport, mais c'est du divertissement. Mais quand t'es pas bon, c'est du sport parce que tu vas faire de l'escalade dans le bois pour ramasser ta balle. C'est ça. Mais il reste que c'est tout comme autre chose. C'est à force d'en faire, à force de jouer. Si tu joues 3-4 fois semaine, c'est certain que tu vas mieux performer, frapper des balles. C'est comme, pense, toute autre activité dans la vie, c'est la même chose. Puis oui, en même temps, ça permet de décrocher de tout ça. D'autres, ça va être d'autres activités, faire du vélo, faire de la marche, faire de la course. Pour moi, c'est le golf. Le problème avec moi, c'est que quand j'embarque dans quelque chose, je suis... À 200 %. Tu sais, mon père m'avait... L'enseignement de mon père qui m'a donné, c'est quand tu as une parole d'envie. Fait que quand tu la donnes, tu la lâches pas, puis tu n'abandonnes jamais. Ouais. Fait que c'est pour ça que quand j'embarque, tu sais, je suis très impliqué, je t'embarque. Je suis impliqué à 100 % parce que je peux pas faire autrement. Oui, je comprends. En tout cas, merci beaucoup. Puis tantôt, c'est vrai, parce que je voulais le dire, mais dans les prestations que tu as faites de théâtre aussi, je me rappelle le boucher ou le propriétaire, je pense, d'un supermarché, quoi que ce soit. Là. Ça, c'était avec Amy Maude, Ça, j'écoute, c'était tellement bon, tu étais tellement crédible. J'avais oublié que tu étais Jimmy. OK. C'était vraiment, c'était comme le personnage. Puis je trouvais, ça, c'était bien, parce que je l'avais vu, si je me rappelle bien, c'était à La Légion, je ne me trompe pas. Oui. Puis vraiment, ça, j'avais adoré. Puis je me dis, hey, il est sur son X, il est sur son élément. Puis mais pour ça, faut être bien entouré. J'avais des bons partenaires de jeu, puis Amy Maude Foucault a fait un travail magique de réalisation. Oui, mais je peux le dire, j'ai joué avec elle, Amy Maude aussi, avec, c'était le dépanneur chez Paulette, là, avec toute notre belle équipe aussi, avec Nancy Maher qui nous dirigeait. On a beaucoup de talent dans la région. Vraiment beaucoup, puis j'encourage les gens d'aller les voir, les pièces de théâtre, puis les comédies musicales, puis il y a plein de belles choses dans la région. Hey, merci encore. Merci beaucoup. Très agréable. Merci d'invitation. Puis on va se reprendre pour un 18. On va avoir bien du fun. Puis beaucoup de temps. Oui. Que de plaisir passer pour cette émission avec Jimmy Desabrais. C'est drôle parce que ça fait comme peut-être à peu près 15 ans facile qu'on se connaît. Puis je découvre encore plein de choses sur lui, son parcours académique, parcours de travail. Puis c'est touchant aussi par rapport avec Véronique, sa conjointe, qui a rencontré, ça va faire 30 ans bientôt. Donc, c'est toujours le fun de partager ces moments-là avec de nos amis. Puis d'un contexte que vous êtes... témoin, vous êtes présent de tout ça avec nous. Ça, bien, on s'en refaire parler par la suite dans les commerces, dans la région de plus en plus depuis la première saison. Ça fait déjà 9 ans. Donc, bien, on est content que vous soyez toujours au rendez-vous. Puis Jimmy, bien, sûrement vous allez le voir dans une levée de fonds, impliqué quelque part, d'une activité quelque part. Ah, il vient de passer. Ah, non, il était là. Bien, c'est ça. Ça, c'est Jimmy qui est présent dans notre communauté. Alors, sur ça, je vous souhaite une autre belle semaine et on se revoit pour un autre parcours d'été. Bye!